Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bal. Donc, ce sera pour le concours Memorydex. Le tirage au sort, si vous ne m'en voulez pas, aura lieu samedi parce que j'aurai pas le temps de le faire avant. Jadou, de ses mains innocentes, fera le tirage au sort comme convenu. Et donc, on le fera certainement en direct. Enfin, on ne le fera pas certainement en direct, on le fera en direct samedi de façon à ce que j'espère que vous serez présente. Donc samedi dans la journée, je vous mettrai un mot sur mon Facebook ou sur le groupe Facebook pour vous dire à quelle heure il aura lieu. Voilà. Donc je vous présente les dernières Memorydex que j'ai reçues parce que ben, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo avant. C'est vrai qu'avec le boulot, tout ça, je suis très très prise. Mon chat arrête pas de miauler, comme vous pouvez l'entendre, comme d'habitude. Je ne sais pas ce qu'il a, mais je vais lui donner. Tout à l'heure, je lui donnerai quand j'aurai fini la vidéo, hein, bien sûr. Je vais lui donner une poignée de croquettes, comme ça, il va les manger et il va se taire. Donc, première Memorydex que je vous présente, elle est déjà sur le Rolodex parce que, en fait, c'est ma copine Cathy qui me l'a faite. Elle me l'a remise en main propre. Donc, elle m'a fait un masque du carnaval de Venise parce que, vous voyez, il y a une gondole, il y a Vénitien en tamponnage là, un petit Vespa, donc c'était très très très, enfin oui Vespa, puisque c'est voilà, c'est très très latin et italien. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand sous son masque, elle a mis je cherche mes mots, ce tissu là, magnifique, il est froissé, j'adore, je trouve ça très très beau. Donc, je vais la remettre sur mon Rolodex pour ne pas la perdre. Et elle sera dans le tirage au sort avec vous. Voilà. Elle m'a mis, bien sûr, son adresse et tout derrière. Hein. Bon, après, au-delà de ça, je la connais puisque je sais où elle habite maintenant. Et je connais maintenant un petit peu près ses goûts. Voilà. Donc, ensuite, j'ai reçu un courrier de Ariel. Donc, Ariel m'a fait une carte avec une Gorgeous. J'adore, hein, l'encre marine là, elle est trop belle avec la fleur dedans, le papier est très très beau. Donc elle m'a fait une petite carte où elle m'a mis un mot, donc c'est personnel, hein, je vous le montre pas, c'est pour moi. Elle m'a fait l'ATC coordonnée, donc c'est l'ATC Gorgeous Just For You, une sur une, Ariel, et elle a été faite le 14 mars. Voilà, ensuite elle m'a mis sa Memorydex avec son adresse, son téléphone, son adresse mail et tout ce qu'elle aime derrière et tout ça. Shabby, Simperk, Art Journal, Gorgeous. Les Gorgeous reviennent souvent, hein, c'est rigolo que vous aimiez tant ça. Donc avec la petite poupée ici. J'avoue que moi aussi je les aime bien ces petites poupées. Hein. Et elle m'a mis des tamponnages. Gorgeous. Donc, celle-ci, avec l'horloge, je la trouve trop, trop chou. Oh, celle-ci est trop belle avec le rondin de bois où elle est assise dessus. Gizmo, tu me fatigues un petit peu quand même, là. Elle m'a mis celle-ci. Alors, attendez, parce que je voulais regrouper par thème avec le petit chien. Donc, non, c'est un renard. Un renard, c'est mieux. Elle m'a mis ces deux-là, enfin, deux comme ça, avec le petit cadenas, là, il est trop chou. Et celle-ci et celle-ci. Ce qui est pas mal, c'est que celle-ci, là, elles sont déjà détourées. Donc, je n'aurai pas à le faire. Parce que alors, je suis très, très nulle pour le découpage. Donc, voilà. Et la dernière. Est-ce que j'ai pris la bonne enveloppe? Eh ben non, bien évidemment. Voilà, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, je vous ai toutes mis ensemble dans la même boîte de façon. À part la Memorydex de Cathy, je suis désolée, je fais tout tomber, donc je ramasse. Hein. À part la Memorydex de Cathy qui n'était pas en enveloppe, qui est sur le Rolodex, vous toutes, vous êtes dans la même boîte de façon à ne pas, pour pas vous égarer, quoi. Vous êtes toutes dans le même, dans le même carton. Donc ça, c'est Miss Ariel. Que je mets là. Ensuite, celle-ci elle rejoint les autres parce que je vous l'ai déjà présenté. Et ensuite, j'ai reçu un courrier de Stéphanie du 62, donc qui m'a gâté aussi. Donc, elle m'a mis une Memorydex noire et blanche, gorgeous aussi.
J'en ai reçu, je crois, pas mal des Gorgeous. Hein. Stéphanie, voilà. Elle aime tout. Donc, c'est cool. Les Gorgeous et le Clean and Simple. Je sais pas ce que c'est. Va falloir que je me rencarde un peu sur la question parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle est trop, trop mignonne. Elle m'a mis une ATC ronde. Donc, voilà. C'est la numéro 1 sur 1 de Stéphanie. Et c'est Gorgeous, tout simplement. Voilà. Avec des petits stickers Gorgeous ici. Trop, trop chou. Elle m'a mis un petit mot Gorgeous. Voilà. Qui reste personnel. Et elle m'a mis 4 super fonds. Donc, embossés à souhait avec les découpes là. Franchement, tes classeurs embossés Gorgeous sont super beaux. J'adore. Donc, j'en ai 4. Un vert comme ceci. Un or. Je sais pas si vous les voyez bien l'embossage, mais je pense que ça doit rendre quand même quelque chose. Hein. Le blanc avec le petit crabe et celui-ci avec des fleurs. Bon, celui-là, vous devez peut-être moins voir du coup la petite Gorgeous qui est ici, là, avec un ballon. Alors, je pensais les mettre dans mon. Je vais le reprendre parce que ça fait un moment que je l'en ai pas fait. C'est mon. Comment il s'appelle déjà? Mon bullet journal. Et mettre une de ces feuilles par saison en fait. Donc vous voyez, j'aurai, je sais pas moi, l'été avec le crabe, le printemps avec les fleurs, l'automne avec celle-ci en vert, et Noël, là, donc l'hiver Noël avec l'étoile. Bon, ça fait étoile de mer, mais on sent. Ça, ah non, c'est marqué summer. Ah. Donc, ce serait plutôt celle-là pour l'été, du coup. Celle-ci, ben avec le crabe, on va mettre au printemps. Celle-ci, on va mettre l'automne. Et puis celle-ci, on mettra l'hiver. Mais au moins, j'en aurai une par saison. Et ce sera super sympa. Et ça me servira, du coup, plus ou moins d'intercalaire pour les saisons. Et comme nous sommes au printemps, eh ben, je vais pouvoir commencer à l'utiliser, quoi. Printemps, été, automne, hiver. Impeccable. Je vais mettre ça dans mon bullet journal. Et ce sera plutôt sympathique. Mais je pense que je vais en refaire un parce que le mien me plaît plus. Et puis comme j'en ai encore de rab, des bullet journal neufs, je vais pouvoir les utiliser. Donc voilà les derniers courriers pour les Memoridex. Donc moi je vous dis à samedi en live pour le tirage au sort. Jade fera le tirage au sort, on mettra toutes les Memoridex dans la même boîte, elle mettra sa main, elle patouillera et hop, elle sortira la gagnante qui recevra toujours mon flipbook qui commence à bien se remplir. J'ai déjà mis pas mal de découpes dedans. J'ai encore des tamponnages à y mettre, quelques papiers embossés et je pense qu'il sera pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez les filles, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de bisous. Bye bye!